Félicitations! Vous avez loué un camping-car chez Cruise America ou Cruise Canada, le leader de la location de motorhomes en Amérique du Nord. Pour assurer le bon déroulement de votre aventure, nous allons vous montrer comment faire fonctionner ces véhicules en toute sécurité et utiliser leurs fonctionnalités uniques. Lorsque vous récupérez votre véhicule, la première chose à faire est de revoir et signer le contrat de location ainsi que les autres fiches de départ requises. La personne responsable de la location du camping-car doit être présente lors de la récupération du véhicule, doit avoir au moins 21 ans, posséder un permis de conduire valide et une carte de crédit reconnue. Tous les autres conducteurs doivent être présents, avoir au moins 21 ans et posséder un permis de conduire valide. Vous recevrez un kit de départ contenant des articles utiles pour votre voyage et un guide d'assistance pour le locataire expliquant le fonctionnement de votre camping-car et contenant d'autres informations utiles et des conseils pour la route. Si vous avez loué un kit pour la cuisine ou un kit personnel de couchage, ces kits vous seront fournis au moment du départ. Si vous avez l'intention de remorquer quelque chose avec votre camping-car, les arrangements devront être faits avant votre départ. Il y a une goupille qui doit être enlevée par un technicien pour que vous puissiez utiliser le crochet de remorquage. Le crochet de remorquage peut aussi contenir un porte-vélo, ce qui vous donnera la possibilité de vous amuser sur deux roues durant votre voyage. Avant que vous partiez, un agent inspectera le véhicule pour vous aider à utiliser ses fonctions clés et vérifier que le camping-car est en bon état de marche. Soyez bien attentif, car c'est à ce moment-là qu'il vous faudra poser vos questions. Votre second chez-vous est haut de 3,7 m ou 12 pieds. Vous avez maintenant un second étage auquel il faut penser. Faites attention aux branches basses des arbres et aux feuillages. Et faites particulièrement attention en traversant des tunnels ou des ponts. Votre camping-car fait 3 mètres ou 10 pieds de large. C'est beaucoup plus large que votre véhicule domestique. Il est donc préférable d'emprunter les voies de camions plus larges au péage pour éviter toute éraflure. Les rétroviseurs se replieront lorsque vous avez peu de marge. Donc conduisez doucement et tout devrait bien se passer. Votre camping-car peut faire jusqu'à 30 pieds ou 9 mètres de long. Il est donc préférable de demander de l'aide à votre passager lorsque vous réalisez une manœuvre. Faites attention à l'extérieur de votre camping-car ainsi qu'à ses dimensions et sa forme unique afin de bien remarquer ses spécificités. La pièce principale a sa propre porte d'entrée avec deux serrures pour une meilleure sécurité. La porte extérieure doit être laissée ouverte en utilisant un crochet qui la relie aux côtés du véhicule. Et si la température le permet, il y a une porte moustiquaire à crochet qui laisse rentrer l'air frais et ne laisse pas passer les insectes. La plupart des véhicules ont plusieurs compartiments de stockage de grande taille. Et même si ces derniers puissent être fermés à clé, veuillez laisser vos objets de valeur et ceux qui craignent l'eau à l'intérieur du camping-car. Certaines unités ont une table de pique-nique pliable qui se range dans le grand compartiment à l'arrière du véhicule. Il y a même une ampoule à l'intérieur pour mieux voir ce que vous faites. Sur le côté du camping-car, vous trouverez l'accès de remplissage du réservoir d'eau froide et la connexion d'eau principale. Il y a aussi des panneaux d'accès pour le générateur, le branchement électrique, le réservoir de propane, la batterie auxiliaire et il y a des conduits d'évacuation pour le chauffe-eau et la chaudière. Vous verrez que la cabine du conducteur est confortable, climatisée et silencieuse.
La transmission automatique vous facilite la route. Et il y a aussi un régulateur de vitesse pour les longs trajets. Le siège du conducteur offre une bonne vue panoramique et les jauges du tableau de bord sont faciles à voir. Pour le plaisir des oreilles, il y a une radio AM/FM, un lecteur de CD ainsi qu'une sortie pour lecteur MP3. Il y a beaucoup de portes gobelets, beaucoup de place pour les cartes et les guides et des prises de courant pour un chargeur de téléphone ou un GPS. Votre navigateur n'a pas d'excuses s'il se perd. Le plein d'essence est le même que pour un autre véhicule. Avant de faire le plein, éteignez le moteur, le réservoir de propane, ainsi que tous les appareils au propane, c'est-à-dire le réfrigérateur, la cuisinière, le chauffe-eau et la chaudière. Veuillez uniquement utiliser de l'essence sans plomb. Ne jamais utiliser du diesel. Profitez-en pour vérifier le niveau d'huile. La jauge est située du côté du conducteur. Si vous avez besoin d'huile, vous devrez acheter une huile 5W20. Veuillez aussi vérifier régulièrement vos pneus. Vous trouverez la pression du pneu recommandée sur le flanc du côté du pneu. Dans le cas d'un problème de pneu, votre camping-car est équipé d'un pneu de rechange à la bonne taille. Vous ne trouverez cependant pas de cric, car nous ne voulons pas que vous changiez un pneu. Vous devez utiliser l'assistance voyageur qui enverra un technicien pour réaliser l'opération rapidement et en toute sécurité. Vous trouverez le numéro de téléphone gratuit dans votre guide d'assistance du locataire. Vous pouvez dépenser jusqu'à 75$ en tout pour des réparations de base ou l'ajout de liquide. Veuillez donc garder les tickets de caisse et nous vous rembourserons. Cependant, si vous devez dépenser plus de 75$ pour votre véhicule, vous devez appeler l'assistance du voyageur pour demander leur autorisation. La conduite du camping-car n'est pas difficile si vous suivez ces conseils de bon sens. Conduisez prudemment et faites particulièrement attention aux autres gros véhicules. Évitez les démarrages ou freinages brutaux, effectuez vos virages à vitesse réduite et respectez la limitation de vitesse. Souvenez-vous que vous devez payer vos amendes. Veuillez faire particulièrement attention en changeant de voie ou en tournant. Souvenez-vous qu'un camping-car ne tourne pas comme une voiture. L'arrière du véhicule bascule vers l'extérieur lorsque vous tournez, comme le montre cette vidéo. Pour éviter les problèmes, assurez-vous que les roues arrière soient dégagées de tout élément à côté du véhicule et ensuite tournez progressivement. Faire marche arrière avec un camping-car peut être difficile. Ayez toujours quelqu'un pour vous aider. Reculez doucement, baissez la vitre pour entendre les instructions et utilisez les rétroviseurs. Pour ajuster les rétroviseurs, tournez le pommeau situé au niveau de la vitre du conducteur jusqu'à avoir une vue claire de ce qui est derrière vous. Pour plus de précautions, des détecteurs situés sur le pare-choc arrière déclencheront une alarme dans la cabine si vous êtes à 4 pieds ou 1,3 m d'un objet. Si le moteur ne démarre pas, il y a un interrupteur d'urgence situé à gauche de la colonne de direction. Appuyez simplement dessus et maintenez appuyé en même temps que vous démarrez le moteur. Cela fournira un courant supplémentaire provenant de la batterie auxiliaire. Le frein doit être enfoncé afin de passer le levier de vitesse sur conduire ou marche arrière. Le frein de stationnement fonctionne avec le pied. Il est situé à gauche de la pédale de frein. Il faut toujours l'utiliser lorsque vous êtes en stationnement. Pour le débloquer, utilisez la commande manuelle. Lorsque vous conduisez en montagne, sélectionnez l'option Tow/Haul sur le levier de vitesse. Le véhicule ralentira alors automatiquement lorsque vous descendez une côte.
Vous n'aurez donc pas utilisé vos freins. Cependant, le plus important, c'est de vous amuser et de profiter de la route. La connexion électrique principale du camping-car est située dans un compartiment sur le côté du camping-car. C'est un grand câble noir appelé shoreline. Lorsque vous connectez votre camping-car, le shoreline sera branché au récepteur à bord qui est lui-même connecté au générateur du véhicule. C'est l'emplacement où il doit être pour que votre système électrique à bord fonctionne sur la route. Par contre, sur le terrain de camping, le shoreline doit être branché à l'alimentation de courant. Sortez une longueur de câble suffisante, débranchez-le du véhicule, branchez-le et allumez la prise. Si le récepteur du camping est un modèle plus petit, utilisez l'adaptateur 15 à 30 ampères qui est fourni. Assurez-vous d'en avoir un avant de quitter le centre de location. Lorsque vous quittez le camping, éteignez la prise, débranchez le shoreline, rangez le câble dans son compartiment, rebranchez-le au récepteur du véhicule et fermez la trappe. Une puissance de 120 volts provenant soit du fournisseur de courant du camping, soit du générateur, est requise pour faire marcher la climatisation du plafond, le micro-ondes ou pour utiliser les prises électriques. Le générateur s'allume sur le panneau de contrôle général dans l'espace de vie. Avant de faire cela, assurez-vous que la climatisation est éteinte afin d'éviter une surcharge possible. Assurez-vous aussi que toutes les fenêtres, portes et aérations au plafond soient correctement fermées pour éviter que les gaz d'échappement entrent à l'intérieur du camping-car. Lorsque vous démarrez le générateur, laissez l'interrupteur fermé jusqu'à ce que l'unité s'allume, laissez-la marcher un certain temps avant de l'utiliser. Si vous allumez le générateur et n'avez pas de courant à l'intérieur, vérifiez que le shoreline est bien branché dans le récepteur du véhicule. C'est facile à faire. De nombreux campings ont des heures de calme, durant lesquelles on ne peut pas utiliser un générateur. Veuillez donc être respectueux de vos voisins. Le plus important est de ne jamais utiliser le générateur lorsque vous dormez. Le générateur utilise le carburant du réservoir principal du camping-car. Le réservoir doit être rempli à au moins un quart pour pouvoir marcher. S'il est régulièrement utilisé, il aura besoin d'un entretien de base. Enlevez le panneau d'accès et en vous servant de la jauge, vérifiez la quantité d'huile toutes les 6 heures d'utilisation. Si c'est nécessaire, ajoutez de l'huile pure de poids 30. En plus du générateur et de la prise de courant du camping, votre camping-car a aussi une batterie auxiliaire de 12 volts à bord, destinée à couvrir l'utilisation normale des lampes, de la pompe à eau et l'utilisation limitée du ventilateur de la chaudière. Pour une plus grande utilisation de la chaudière ou pour que la climatisation, le micro-ondes ou les prises électriques fonctionnent, le véhicule doit être branché à l'alimentation de courant du camping ou le générateur doit être en marche. La batterie auxiliaire peut être chargée de différentes manières. En faisant marcher le moteur pendant environ 20 minutes, la charge sera rapide. Tandis que le shoreline ou le générateur fourniront une charge plus importante. Le panneau du convertisseur situé au niveau inférieur contient tous les disjoncteurs et fusibles du système électrique et il est facilement accessible en ouvrant le couvercle. Si vous rencontrez un problème, il est possible qu'il faille uniquement remonter un disjoncteur. En utilisant votre guide d'assistance du locataire comme référence, descendez-le simplement, puis remontez-le. Il y a aussi une réinitialisation pour le système 12 volts qui fonctionne avec la batterie auxiliaire. Si les fusibles sautent, ils doivent simplement être remplacés.
À bord de votre camping-car, il y a un réservoir d'eau au cas où vous n'êtes pas connecté à l'alimentation en eau du camping. Enlevez le couvercle et remplissez le réservoir en utilisant le tuyau d'arrosage fourni. Ne le remplissez pas trop rapidement, car le réservoir a besoin d'aération. Et n'oubliez pas de remettre le couvercle lorsque vous avez terminé. La pompe à eau électrique devra être allumée dans le véhicule pour faire fonctionner le système d'eau à bord. La pompe n'est pas nécessaire lorsque vous êtes connecté à l'arrivée d'eau du camping et elle doit être fermée. Souvenez-vous, votre arrivée d'eau à bord n'est pas à boire. Veuillez utiliser de l'eau en bouteille lorsque vous cuisinez ou lorsque vous avez soif. À côté du réservoir d'eau fraîche, il y a la connexion d'eau principale à utiliser lorsque vous pouvez vous connecter à une alimentation d'eau permanente. Vissez soigneusement le tuyau d'arrosage au véhicule et vissez l'autre bout à la sortie d'eau. Faites attention à la pression de l'eau. Un quart de tour est suffisant. La douche à bord marche de la même manière que celle de chez vous. Allumez le chauffe-eau en avance, ouvrez le robinet et appréciez. Cependant, utilisez la douche de façon modérée. Beaucoup de campings ont des douches excellentes. Donc, utilisez votre douche à bord et votre eau les fois où aucune autre douche n'est disponible. Les toilettes à bord ressemblent aussi à celles que vous connaissez. Appuyez simplement sur la pédale avec le pied, rapidement, pour une chasse brève. Ou maintenez la pédale appuyée pour une chasse longue. Nous vous recommandons de tirer la chasse d'eau avec les produits chimiques approuvés pour toilettes à chaque fois que vous videz les réservoirs de retenue. Les produits chimiques pour toilettes de camping-car sont disponibles dans la plupart des campings ou dans les magasins de camping. Éliminer les eaux usées du camping-car est assez simple. L'important est de faire marcher correctement les deux grandes valves sur le côté du véhicule. Il est très important que les deux valves soient fermées et que le couvercle soit bien mis avant que vous quittiez le centre de location. Le tuyau utilisé pour jeter les eaux usées est rangé dans un compartiment au-dessus des valves principales. Sortez-le de son compartiment. Enlevez le couvercle et attachez-le au véhicule en le tournant simplement vers la droite. Puis, en vous assurant qu'il n'y a aucun nœud dans le tuyau, insérez-le d'environ 15 cm dans le vidangeur. Si vous avez un problème avec le tuyau d'égout, achetez-en un autre et gardez le ticket. Quand le tuyau est raccordé au site, laissez les deux valves fermées, car une légère augmentation de la pression aidera à enlever les solides. Jeter le réservoir de retenue est très simple. Ouvrez d'abord la plus grande valve pour vider le réservoir de retenue des toilettes. Cela prendra un certain temps. Une fois que le flux s'arrête, fermez bien la valve. Puis, ouvrez la plus petite valve pour vider le réservoir de retenue de la douche et des éviers. Cela permettra de bien rincer les tuyaux d'égout. Quand le flux s'arrête, fermez bien la valve. Lorsque vous êtes prêt à partir, déconnectez simplement, rincez et rangez le tuyau. Puis replacez le couvercle pour refermer le système d'eau usée. Vous êtes prêt à partir. La plupart des campings qui n'ont pas de système d'égout ont des stations de vidange pour votre confort. À la connexion d'égout, déployez le tuyau et suivez la procédure que nous venons de décrire. Et voilà, ce n'est pas si terrible que ça. À l'extérieur de votre camping-car, il y a un réservoir de propane pour faire fonctionner plusieurs appareils à bord. Il est facile de se procurer du propane. Les remplissages sont réalisés par un assistant qui devra éteindre les appareils avant de continuer. La valve pour couper le propane se trouve à côté de la valve de remplissage. Lorsque vous ajoutez du propane ou de l'essence dans le véhicule, la valve doit être tournée dans le sens des aiguilles d'une montre en position
off. Lorsque le réservoir de propane est plein, il n'affiche que les trois quarts et c'est complètement normal. Dans le camping-car, il y a aussi une jauge de propane électronique pour votre confort. Comme vous imaginez, les conduits d'évacuation du chauffe-eau et de la chaudière à l'extérieur du véhicule sont très chauds lorsqu'ils sont en marche. Il n'y a aucune raison de les toucher, alors s'il vous plaît, ne le faites pas. Le plan de cuisson au propane est facile à utiliser. Il marche comme un grill de barbecue. Mettez le brûleur sur light, puis utilisez le bouton d'allumage. Il y a aussi une hotte de ventilation et une lumière pour cuisiner. Pour utiliser le micro-ondes, il faut que le shoreline soit connecté à la source de courant du camping ou au générateur. Veuillez utiliser de la vaisselle adaptée pour les micro-ondes. Le congélateur frigidaire ne marche pas comme celui que vous avez chez vous. Il fonctionne avec le propane, le générateur ou le shoreline connecté à la source d'électricité du camping. Allumez-le et choisissez le paramètre « Auto » pour que l'unité sélectionne automatiquement la source de courant appropriée. Souvenez-vous que le camping-car doit être au niveau du sol pour que le congélateur frigidaire marche correctement. Essayez de minimiser le nombre de fois que vous ouvrez la porte, car le frigidaire peut prendre quelques minutes pour refroidir. Une glacière bon marché pour les boissons fraîches est une bonne idée pour ne pas ouvrir constamment la porte du frigidaire. Le thermostat du frigidaire est à l'intérieur du compartiment principal si vous souhaitez ajuster la température. Suivez ces recommandations simples et tout ira bien. Les pièces d'habitation, où vous allez passer beaucoup de temps, sont intelligemment conçues. La dinette peut facilement contenir 4 personnes pour manger ou pour passer du bon temps. Comme elle est équipée de ceintures de sécurité, les enfants peuvent y être installés en toute sécurité lorsque le véhicule est en marche. Il y a aussi un canapé confortable sur lequel se relaxer. Ou, sur certains modèles, une banquette. La cuisine est moderne, bien équipée, avec un grand espace de rangement. Il y a aussi un micro-ondes pratique, un plan de cuisson facile à laver, un évier avec robinet et un frigidaire congélateur. Tous les conforts de la maison sur la route. Le panneau de contrôle maître vous indique instantanément le niveau de propane, de courant électrique disponible dans la batterie et le niveau des eaux usagées à bord. L'interrupteur du générateur est ici, ainsi que l'interrupteur de la pompe à eau électrique. La climatisation au plafond est alimentée soit par le générateur, soit par le shoreline lorsqu'il est connecté à la source de courant du camping. Le thermostat, facile à utiliser, assurera votre confort. Sélectionnez simplement le mode et la température que vous désirez. Le camping-car a aussi de grandes fenêtres coulissantes avec des moustiquaires. Et les aérations au plafond peuvent être laissées ouvertes pour faire passer l'air frais. Veuillez vous assurer que toutes les aérations sont fermées avant de conduire. Si vous avez besoin de chaleur, sélectionnez l'option de chaudière sur le thermostat et sélectionnez une température confortable. Vous devez être connecté à la source de courant du camping pour faire fonctionner la chaudière sur une longue période de temps, comme la nuit. Si vous mettez la chaudière sur la batterie auxiliaire, il y a des prises électriques dans tout le camping-car. Elles marchent uniquement lorsque le générateur est en marche ou que le camping-car est connecté à l'alimentation de courant du camping. Vous trouverez les lampes LED respectueuses de l'environnement dans tout le camping-car. Elles fournissent une excellente illumination et marchent avec la batterie auxiliaire. Vos pièces d'habitation ont beaucoup d'espace facile d'accès pour ranger la vaisselle, les ustensiles de cuisine, la nourriture, les habits et les effets personnels.
prenez l'habitude de ranger les objets cassables à un endroit où ils ne vibreront pas et ne bougeront pas lorsque le véhicule est en marche. Parce que votre confort est important pour nous lorsque vous voyagez. Nous espérons que ces conseils rendront votre vie beaucoup plus facile sur la route. L'organisation des lits a été conçue intelligemment pour maximiser l'espace disponible. La table, par exemple, se transforme en lit. Après avoir enlevé les coussins, levez la table, enlevez et rangez le piédestal. Puis redescendez la table sur les rails de support. Replacez les coussins et vous êtes installé. Certaines unités sont équipées d'un canapé qui se convertit en lit supplémentaire. La zone de repos au-dessus de la cabine est très spacieuse. Elle n'a besoin d'aucun assemblage et elle est accessible à partir du banc situé derrière le conducteur. À l'exception des véhicules plus petits, votre camping-car est aussi équipé d'une chambre à l'arrière. Aucun des lits ne doit être utilisé lorsque le véhicule est en marche. Tout le monde doit être assis avec sa ceinture de sécurité. De toute façon, il y a bien trop de choses à voir pour faire la sieste. Bien que nous souhaitions que vous vous amusiez, votre sécurité passe avant tout. Veuillez garder à l'esprit ces règles simples. Ne jamais utiliser le moteur du camping-car comme radiateur lorsque vous dormez ou les brûleurs du plan de cuisson. Le camping-car a un détecteur de monoxyde de carbone et de propane qui doit être vérifié tous les jours. Il est très sensible et peut se déclencher sous l'effet d'un assainisseur d'air ou du parfum. Si cela se produit, il devrait automatiquement s'éteindre au bout d'un court moment. Si l'alarme continue, veuillez couper le propane et appeler l'assistance voyageur. L'espace de vie principal a aussi un détecteur de fumée qui doit être vérifié quotidiennement. Il y a une batterie de rechange de 9 volts dans votre kit de départ. En haut de l'escalier, près de la porte principale, vous trouverez aussi un extincteur. Et à l'arrière, il y a une sortie d'urgence. Levez simplement les deux poignées de verrouillage et poussez la fenêtre vers l'extérieur. L'allumage LED du sol est fourni pour votre confort et votre sécurité. Votre camping-car est équipé d'un luminaire d'entrée si vous voulez aller dehors. Restez en sécurité pour que vous puissiez revenir nous voir l'an prochain. Lorsque vous campez, assurez-vous que votre camping-car est au niveau du sol pour assurer le bon fonctionnement des appareils au propane. C'est aussi une bonne idée d'avoir une table de pique-nique de camping sur le côté du camping-car avec la porte. Veuillez ne pas vous garer trop près du feu. Les chamallows sont les seules choses qu'il faut brûler. Assurez-vous que le shoreline électrique ait un accès facile à la source de courant du camping. Que le tuyau à eau atteigne l'alimentation d'eau du camping et que le tuyau d'égout atteigne le vidangeur pour en assurer l'étanchéité. S'il vous plaît, faites attention à bien déconnecter tous les branchements avant de quitter le camping ou bien votre départ pourrait prendre une halte brusque. Rangez tous les connecteurs et les tuyaux dans leur compartiment. Vous voilà prêt pour votre prochaine destination. Vous avez maintenant toutes les informations dont vous avez besoin. C'est bientôt le moment de prendre la route. Pour plus de détails au sujet des informations présentées dans cette vidéo, nous vous conseillons de lire avec attention le guide d'assistance du locataire. De la part de tout le monde chez Cruise America et Cruise Canada, merci de votre attention. Conduisez prudemment et faites bonne route.